Et salut les amis, bon, c'est d'un superbe décor là, avec le Ventoux, les dattes, tout ça là, que je viens vous faire découvrir une petite façon de faire du tournesol bio. Je vais vous faire voir comment on bine les pieds de tournesol avec un engin assez rigolo là, on monte sur une petite selle avec un volant, le tracteur il avance et moi je dirige la bineuse, enfin les bineuses parce qu'il y en a 5 ou 6. C'est pour biner le pied des tournesols avant que l'herbe elle les envahisse. Voilà. Ça évite d'utiliser des désherbants et ça évite surtout qu'il y ait de l'herbe qui prenne le dessus sur le tournesol. Une fois que le tournesol il est gros, il fait de l'ombre et l'herbe elle ne pousse plus. Du coup je vais vous faire voir ça dès que l'engin il arrive. Il était au fond tout à l'heure, il va pas tarder à arriver. Je vais vous faire voir ça, c'est assez marrant comme engin. Allez go, c'est parti les amis. Alors là moi j'ai un petit volant et je guide les bineuses sur le plan de tournesol. Et voilà. Alors il y a le chauffeur du tracteur qui tire relativement droit. Du coup j'ai pas trop de rattrapage à faire, mais il faut quand même rester vigilant. Et alors on n'a pas le temps de fumer, on n'a pas le temps de manger. Et à la seconde, si tu perds le fil, tu fais péter 6 rangées de tournesol. Voilà. Alors là, il y a beaucoup d'herbes là. C'est pour ça qu'on les bine un peu. Ça leur fait du bien. En quelques jours, là, ils vont nourrir. Et une fois qu'ils sont grands, ils commencent à faire une zone d'ombre et l'herbe elle pousse moins. On va pas dire qu'elle pousse plus, mais elle pousse moins. Elle est un peu étouffée, elle est un peu ralentie par l'ombre du tournesol. Voilà. Voilà le binage du tournesol. Le binage mécanique et manuel. Ça évite de désherber. Et puis ça fait du bien à la plante. Quand on gratte le sol, ça fait monter l'humidité et la plante elle en profite et c'est pour ça que de suite elle devient plus grosse. Voilà. Presque arrivé au bout là. On va voir l'engin sortir de la terre.
je me remets ma crémaillère au milieu pour pouvoir un peu avoir du champ à droite et à gauche. Et hop, dès que je démarre, je m'aligne sur la rangée et j'en bouge plus. Voilà. Et c'est reparti pour une descente.